Il s'agit d'un projet ambitieux et assez innovant dans le sens où c'est un tiers-lieu sur lequel on pourra à la fois rencontrer des problématiques de développement durable, d'écologie, mais aussi d'insertion et un lieu sur lequel on pourra héberger des entreprises en développement. La particularité innovante de ce projet, c'est qu'on va pouvoir faire se croiser aussi bien des entreprises que des particuliers, des associations, des collectivités. Et donc c'est tout l'intérêt d'un tiers-lieu implanté sur un territoire aussi vaste. C'est de faire appel à des compétences qu'on n'a pas forcément au niveau association, à savoir des compétences en termes juridiques ou fiscales et d'ingénierie de projet, autant de compétences qui nous sont bien précieuses au quotidien.